Si dostaje bajana i się mogę się mówić, ten mój chacham się przyszło szolik. שוכח דבר אחד ממשנתו, מעלין עליו כאילו מתחיל בנפשו. תמיד חכם להשיב, ברוך השם יגיד. Et il oublie un des enseignements qu'il a appris. Ça aussi, c'est Mitraïev Benafcho. Ce qu'éliminent les élèves, ils sont arrivés à la Yeshiva, on leur dit ça, c'est Khayavita, ça, c'est Khayavita, ça, c'est Khayavita. Ah, c'est pas comme ça. Il y a une raison pourquoi il est Khayavita. On va voir de suite. Mais Aaron échoue. Pourquoi un homme, encore une fois, on répète, il a assis, il s'est assis, il a appris, il était en cours. Et il a oublié ce qu'il a appris. Quand les parents ils nous demandent à Shabbat, dis un Dvar Torah. Alors il dit, comment c'est dire là ah, t'étais en cours, t'étais en Shiur, non? T'as appris là-bas? Qu'est-ce que t'as appris? Dis-nous un peu ce que t'as appris. Shafta, la matashara. Une heure, t'as écouté un rave, il a parlé pendant une heure. Dis un enseignement, dis quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait, ma sechel Shabbat? De quoi ça parle? Ah, de bichoule. On cuit des trucs. Voilà. Yakatoum, pakatoum. Voilà. Plus ou moins, comme ça. Plus ou moins, c'est ça le sujet. Tu t'assois. Tu étudies. Tu investis du temps. Tu sors de ça, il ne reste rien. C'est Mitraïev Benafcho, Razouchala. Mitraïev Benafcho, la sentence est grave. Qui il ou Mitraïev Benafcho? Pourquoi? Dit Rabbeinu Yona, Shelo Natan Levavo Bema Shelamad. Il n'a pas mis son cœur dans ce qu'il a appris. Il n'a pas. Vous savez, il y a des choses qu'on se rappelle dans l'enfance, des bêtises qu'on a fait à l'école. Même à l'âge de 50 ans, on s'en rappelle quand on avait 7-8 ans, on s'en rappelle. Des bêtises et des trucs, et des certaines vacances. Tu te rappelles là-bas qu'on était là? Ah ouais. On se rappelle dans les moindres détails comme si c'était hier. Il y a d'autres événements, on oublie. Tu te rappelles quand on était au mariage, il y avait un tel, il nous a parlé. On rappelle pas. Ça, on se rappelle, ça, on se rappelle pas. De quoi ça dépend? De Tsumat Lev. Ça marque. Les choses qui nous marquent, c'est des choses qui sont incrustées dans la mémoire. Des choses qui ne nous intéressent pas, c'est des choses qui sont effacées de la mémoire. La mémoire, elle ne peut pas avoir un stockage qui est trop volumineux. Il est limité, le stockage de mémoire, en général, des hommes. Il y a des exceptions. Comme Rav Ovadia Alav HaShalom, qui arrivait à lire un livre une fois et retenir tout ce qui est écrit dedans. Il n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Il rentrait dans le marchand de livres. Il prenait là-bas, il avait besoin du prix Megadim. Il prend le prix Megadim, un livre comme ça volumineux, et il lit comme ça dans le magasin. Il est dans le magasin, 3, 4, 5 heures, il restait là-bas, il terminait, il fermait le livre, il posait, plus besoin d'acheter le prix Megadim. Enregistré dans la tête. On va dire la machala. Et son numéro de téléphone, le numéro de téléphone de ses enfants, il ne le connaissait pas. À chaque fois qu'il devait téléphoner, il ouvrait un carnet où il voyait là-bas, il avait écrit un vieux papier qui était vieux de 30, 40 ans le papier. Il avait écrit le numéro, son numéro, le numéro de sa femme, de ses enfants, et quand il devait téléphoner. C'est une stira. Kachoukrea dade, une stira. D'un côté, tu nous dis une mémoire, une humaine. D'un autre côté, tu me dis un numéro de téléphone, il ne le retient pas. C'est le même message. Quand ils lui ont demandé pourquoi tu ne connais pas les numéros de téléphone, tu connais toute la Torah, il dit, j'ai pas de place pour un numéro de téléphone. J'ai pas, il ne peut pas mettre son intention, il ne peut pas utiliser
ses pouvoirs, ses forces de mémoire pour retenir un numéro de téléphone, ça ne lui sert à rien. Je veux utiliser 100% de mon potentiel de mémoire pour la Torah. Et je ne veux pas utiliser même pas 0,5% pour me rappeler d'autres choses que de la Torah. Ce chacham-là, qui s'est assis, il a étudié. Et une heure après, ou le lendemain, tu lui poses quelques petites questions, de pshat, qu'est-ce que tu as étudié ici? Il bégaye. Comment c'est possible? Non, Nathan Libo Bemach et Lamad. Il ne met pas son cœur, il ne met pas sa concentration, il ne met pas son envie dans ce qu'il apprend. Kiashikhecha, Metsuya, Tamid, Bevne Adam, l'oubli est fréquent. Et il aurait dû répéter la halakha beaucoup de fois. On a écrit dans Tarnit, la Fochay. Baki de Tarnit, blingue. Il y en a d'autres encore. Il y a aussi Baki de Tarnit, Eliezer, blingue. Qui me va se retarder? Combien de fois ils ont étudié Rav Shmuel et d'autres Amoraïm avant de rentrer en cours? 40 fois. 40 fois par rapport à quoi? Aux 40 jours de Matan Torah. 40 jours, Moshe, il était dans le Sinaï pour recevoir la Torah. Keneged, chaque jour, je prépare mon cours. 40 fois, je répète le cours avant de rentrer. 40 fois, je répète la Sugya avant de rentrer. Un autre, combien de fois il a préparé? 24. Can I get? 24, c'est les livres de Torah. 24 livres de Torah. Fameux. 5. Tanakh, Chumash, Nevi'im, Ktuvim. En tout, ça fait 24 livres. 24 livres, can I get? Chaque livre, il répète. Et il répète. Et il répète. Et il répète. Et il répète. Alors, on ne s'étonne pas que c'est Rav, c'est Shmuel, c'est des Amoraim, Ktushim, et Tzadikim. Une fois, Rav Moshe Feinstein à la Vachalam. Quand il était gossesse, il allait partir de ce monde, il allait quitter ce monde. Ils sont venus le voir. Il appelait ses élèves, vite, venez vite. Il prenait Shulchan Aruch, Shabbat, et commence à m'interroger. Okay. Et il commence à dire un saïf après l'autre. Saïf, saïf, le shahri, comme ça, le tazidi, comme ça. Il commence à réciter mot à mot tout le Shulchan Aruch. Ils ont dit, Rav, comment c'est possible? Comment c'est possible? Feinstein, il est niftar, il n'y a pas longtemps, c'est un contemporain. Comment c'est possible, ils lui ont dit? Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? 1000 fois, j'ai répété. 1000 fois. C'est une chokhma, quelqu'un qui connaît Ashrei Yoshvei Betecha par cœur. Quelqu'un qui connaît Ashrei par cœur ici? Hein? Ah, ça existe? Baruch Hashem. Le Alman Israël. Il connaît Ashrei par cœur. Hein, il connaît Ashrei Yoshvei Betecha par cœur. Quel gamin, quelqu'un il va le... C'est normal, mais Ashrei le dit 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Toute la journée on dit Ashrei. Pendant un certain moment, ben ça y est, ça rentre. Shema Israël, qui c'est qui connaît par cœur? Ah, tu connais par cœur Shema, quand la kavod. Pshh, ta gamin. Ma chokhma bezé. T'as répété tellement de fois le Shema. C'est pas chou, pshita qu'on le connaît par cœur. Rav Feinstein à la Vachalam, il dit... J'ai répété tellement de fois le Shulchan Aruch, az ma chokhma que je le connaisse. De quoi vous êtes étonné? L'étonnement, c'est pas qu'il connaît par cœur, l'étonnement, c'est combien de fois il l'a répété. Ah, c'est pas chaud que quand on répète beaucoup, les choses sont gravées dans la tête. On peut pas venir faire une étude comme ça qui est nonchalante et ça va doucement. Tu vois, Shiva, cool. Et on verra ce qui va sortir de moi. Ah putain, tzrich avoda, tzrich litamet, c'est ce que je voulais vous dire hier. Il y avait. Ruth et sa sœur Orpa, Nachon. Elles étaient mariées avec Mahlon et Kirlion. C'était les fils de Naomi et Elimelech. Naomi était mariée avec un homme, Elimelech. Il y avait des pauvres où ils habitaient. Elimelech ne voulait pas donner de l'argent aux pauvres. Il dit, viens, on déménage. Il y a trop de pauvres. Il dit, nous, on est riches. Elimelech, il avait une fortune colossale. Viens, on déménage. Ils ont déménagé. Ils sont partis à Bethlehem. Ils habitent à Bethlehem Yehuda, là-bas c'est un quartier de bourgeois, avec des riches, il n'y a pas de tzedaka à donner. Top. Ça n'a pas plu à Hachem. Ça ne lui plaît pas à Hachem. T'es riche, tu te sauves dans l'endroit des pauvres pour ne pas donner. Okay. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh bien tu meurs. Il l'a tué. Après, il avait des filles. Okay. Ruth et Orpa. Il avait 2 filles. Et là-bas,
Dans les endroits de quartier riches, il n'y a pas de Beit Yaakov, il n'y a pas de Talmud Torah, il n'y a pas de trucs. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des goyim. Machlan de Kiryan, deux goyim. Okay. Ça n'a pas plu à Hachem, il a tué les goyim. Les deux, ils sont morts. Elle se trouve Naomi toute seule. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. Non, pardon, c'est l'inverse. Machlan de Kiryan, c'est des enfants. Elle, eux, ils ont pris Ruth et Moaviot. Elle a pris ses enfants. Elle a pris son mari. Elle se retrouve toute seule avec ses deux calottes, ses deux belles filles. Elle dit, moi, je retourne. Je retourne en Eretz Israël. Elle est retournée. Naomi et Orpa, les deux, elles ont dit, on vient avec toi. Les deux, elles ont dit, on vient avec toi. Là où tu vas, j'irai, faisais. Elle leur a dit, ma pitom, arrêtez, j'ai plus d'enfants, je peux plus avoir des enfants, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Retournez vers votre peuple, vous êtes des goyotes, retournez là-bas, laissez-moi tranquille. Okay. Orpa, elle a dit, ok. Et Ruth, elle s'est accrochée. Elle dit, non. Je vais venir. Elle lui a dit, elle a insisté, elle lui a dit, Bechol Asher Telchi Elech, Bechol Asher Tamut Tamuti, est-ce que tu vas mourir, je vais mourir, où tu iras, j'irai, dans leur lamazé, dans leur lamabba, elle s'est accrochée. Il y a écrit quoi dans le pasuk? Vatere kimit ametzet. La lechet acharea. Elle a vu qu'elle s'efforce. Elle fait des efforts. Elle fait de toutes ses forces, elle veut venir dans Am Israël, dans la Kdusha. Alors elle a arrêté de parler, elle dit bah, comme ça s'écrit là-bas. Elle a arrêté de lui parler. Elle a laissé. De route, qu'est-ce qui est sorti? David. David Amelech, Shlomo Amelech. Kol Malchut Ben David, tout le royaume de Am Israël, il est sorti de route. De l'autre, qu'est-ce qui est sorti? Goliath. Deux cousins, David et Goliath. Cousins par alliance, quelque part, ils sont cousins. Okay. Un, Siatum A. Pendant 40 jours, Goliath, il a maudit Hachem du matin au soir. Une fois le matin, une fois le soir, 40 jours. Maudit Hachem. Shaoul, il ne savait pas quoi faire avec lui. Personne ne peut aller vaincre Goliath. Qui peut se battre contre lui? C'était un col, c'était une montagne, Goliath. Qui se lève tous les jours, il vient devant le camp d'Israël. Et même toi, tu ne peux pas, Goliath. Même toi. Même Elio, il ne peut pas, Goliath. Personne ne peut battre Goliath. C'est Goliath. Il est devenu David Amelech Nahar, il avait 17 ans. Il dit, moi je vais le battre Goliath, ils se sont moqués de lui, tu vas battre Goliath, tu es un petit crap. Tu vas battre Goliath. Moi je vais le battre, moi j'ai tué un ours, j'ai tué un lion, moi je vais tuer Goliath. Toi, il a vaincu Goliath. Les descendants de Ruth et de Orpa. Les deux, ils se sont retrouvés sur le ring. Qui c'est qui a gagné? La Kedusha. C'est quoi la racine de tout ça? Comment un homme il est zoché que de lui il sort la malchut? Mit ametzet. Il fait des efforts. Celui qui ne fait pas d'efforts, il est zoché, les Goliaths. De lui va sortir un Goliath. Et pourtant, il est correct. Il n'a rien fait de mal. Il ne fait pas d'efforts. Yoshev, il est là, il est assis en cours, il écoute. Parfois, si Hachem lui a donné une tête qui fonctionne bien, alors il peut même comprendre, et même interactif, il peut même poser des questions, avoir des réponses, mais il est là. Il ne fait pas d'effort, il n'est pas mit ametz. Toute la chokhma pour sortir de nous la kdusha, c'est la itamtsut. Itamtsut, c'est les efforts. Il faut faire des efforts. Azaïnia. Toute la journée, toute la nuit, il aurait dû réfléchir à ça. Il aurait dû penser à sa sugya. Il aurait dû penser à sa Torah. C'est le seul moyen d'y arriver dans le limud. Adacher, l'otuchal, la somme, il est beau jusqu'à temps qu'elle ne peut pas sortir de son cœur. La Gemara a dit quelque chose d'affolant. Dans ma sechet, Chagiga, il a écrit que la différence entre Obed Hashem. C'est un pasouk. Celui, on a dit ça plusieurs fois, il faut répéter. Quelqu'un, il s'appelle Oved Hashem, serviteur d'Hashem. Et un autre, il s'appelle Loravado, pas serviteur d'Hashem. C'est quoi la différence entre eux? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, celui-là, il a répété 100 fois, et celui-là, il a répété 101 fois. Alors, la Gemara demande, quoi? Parce qu'il a répété que 100 fois, il n'est pas Oved Hashem. Et l'autre, il a répété sa recolle une fois de plus que lui. Une fois de plus.
de là, tu le considères à lui pas en Aved Hashem, mais lui en Aved Hashem. C'est bizarre cette morale. La réponse, elle est, les deux, ils ont le même potentiel. L'autre, il a été encore un level, un stade au-dessus. Il a grimpé encore une marche. L'autre, il s'est arrêté. Il a investi, il a fait des efforts, il n'a pas été mit ametz. Il n'a pas été où ? Encore un peu. Celui-là, il était encore un peu. La différence entre eux, c'est comme le jour et la nuit. L'autre aussi, il aura un sahar immense. C'est immense qu'il aura. Il a répété 100 fois. 100 fois, il a répété la Gemara. C'est immense. Il la connaît par cœur, sûr. Mais la comparaison entre l'un et l'autre, c'est comme le ciel et la terre. Parce que l'effort qu'un homme y fournit, même si c'est 1%, un millième de pourcent en plus, ça n'a rien à voir avec un millième de pourcent en moins. Ça n'a rien à voir. Comme on a raconté déjà l'histoire avec la sœur du Gaon Mivilna, elle a levé le doigt rien que sur cet effort-là, elle est venue lui dire « Ton Olam Haba et le mien, ça n'a rien à voir. Ta mitzvah et la mienne, ça n'a rien à voir. » Pourquoi ? Elle a fait un effort en plus, elle a levé le doigt. Un tout petit effort qu'un homme y rajoute dans la voie d'Atachem, c'est pas encore comme dans ce monde-là. Un homme, il travaille 8 heures, alors s'il travaille 9 heures, il gagne 50 shekels par jour, 9 heures, alors c'est encore 50 shekels. Au lieu de gagner 500, il a gagné 550. En Torah, c'est pas comme ça. En Torah, c'est exponentiel. Vous connaissez exponentiel ? Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, sûrement. Hein, okay ? En Torah, c'est exponentiel. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Une heure de limoud, et une heure de limoud, c'est pas 2 heures de limoud. C'est pas 2 heures de limoud, ça n'a rien à voir. Rabbi Akiva, 24 ans, c'est pas 12 ans et 12 ans. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré voir sa femme. Il était à la porte. Il aurait pu lui dire bonjour. Il n'est pas rentré. Pourquoi ? S'il était rentré, il aurait fait une interruption. C'est 12 plus 12. 12 plus 12 ne sont pas égales à 24. En Torah. Ça n'a rien à voir. 24 d'affilée, ça n'a rien à voir avec 12 plus 12. Rien à voir. Un homme, il étudie une heure. Il est en chiour. Il a un verre d'eau à prendre. Des toilettes. Peu importe. Une interruption. Il revient, il étudie la même, il complète même. Ça n'a rien à voir avec le Retzef, étudier d'affilée. Un homme, il étudie un daf et un daf, ou il étudie deux daf d'affilée, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est deux mondes différents. Zer Aved Elokim, Zer Avado. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effort. C'est plus dur, quand c'est d'affilée, c'est plus dur. Quand je fais une petite pause au milieu, alors c'est plus facile. C'est comme si je recommence. Je reprends mes forces, je recommence à nouveau. C'est l'Aïtam Tzout. L'effort dans la Avodat Hashem en Bretagne, il n'est pas en fonction, il n'est pas mesurable. Il dira plus une cause, un très beau machin sur ça. Avec ça, on va terminer. Il y avait un roi, il a demandé à un de ses conseillers de lui inventer un jeu. C'est un juif, c'est une vraie histoire ça. Une vraie histoire. C'est un juif. Et il lui a dit, si le jeu il me plaît, alors je te donne ce que tu devras. Okay. Il a inventé le jeu des échecs. Échecs. Échec et mat. Il est venu, le roi, il a pris la règle, il a commencé à... Chochma, incroyable. Incroyable. Champion du monde, il y a des trucs, il y a des juifs. Bref. Tu mérites un salaire. Qu'est-ce que tu veux comme salaire ? Alors, il lui a dit, le juif, par sa chorma, il faut toujours qu'il trouve des trucs bizarres, les juifs. Il lui a dit, je veux, voilà, le jeu d'échecs a combien de cases ? 64. Je veux que tu me donnes du blé. Du blé, pas du blé, du blé, du vrai blé. Okay. Des grains de blé. Chaque case, tu mets le double de la quantité d'avant. Ça veut dire, la première case, tu mets un grain. La deuxième case, tu me mets 2 grains. La troisième case, tu me mets 4. La quatrième, tu me mets 8. Et le roi, il commence à s'énerver. Il dit, quoi ? Tu te moques de moi ? Moi, le roi tout puissant, tu limites mes capacités à tel point. Mais tu me demandes quelques grains de blé. Mais t'es... Khatsov !
faites le compte. Votre Majesté, faites le compte. Faites le compte. Ah, il fait le compte. 1, 2, 4, 8, 16, 16, c'est cette histoire. Quand il arrive à la 20e case, 22e, 23e, on est déjà des millions. Des millions, faites le compte. 64 cases, je ne sais même pas s'il a assez dans tout son pays pour lui payer. Les Chacham Gadol. Les Limouda Torah, l'Avdil. Limouda Torah, une heure, et encore une heure, c'est deux heures. Encore une heure, c'est pas trois heures, c'est quatre heures. Encore une heure, c'est pas trois heures, c'est déjà huit heures. Plus un homme, il investit, on peut parler en minutes aussi, on n'est pas obligé de parler en heures. Okay? Mais plus un homme, il est assis à étudier, à faire une mitzvah d'affilée, à faire des efforts sans aucune interruption, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est exponentiel, c'est des chiffres incroyables. Et ça, c'est les efforts qu'on demande de nous. Bifrat, maintenant, dans cette période-là, on arrive à Kippour, Bezrat Hashem, demain, on fait une petite pause, on fait une sortie pour un peu reprendre des forces et un peu s'unir. Mais après, Bezrat Hashem, demain soir, on revient, il y a Shiur normal, après le Tioul, Shiur normal. 8h vite, Shiur, avec votre short et votre truc, Shiur, les tongs, avec les tongs, il y a Shiur. Shiur, jusqu'à 10h, et après Bezrat Hashem, ligne droite jusqu'à Kippour. Jusqu'à Kippour, ligne droite, il ne faut pas lâcher un instant. Il ne faut pas enlever son esprit, bichlal, pas un instant. J'ai beaucoup hésité avant de faire le tioul. Beaucoup hésité. Il y a des Gdolim, deux semaines avant Rosh Hashanah, Rami Brisk, là à côté, il y a Yeshiva Brisk. Le Rami Brisk, le père du Rosh Yeshiva, deux semaines avant Rosh Hashanah, il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas manger. Manger, il ne pouvait pas. Comment on peut manger? On sait qu'on va être jugé. Un homme qui va être jugé du Chas v'Shalom, il peut prendre un an de prison, deux ans de prison, trois ans de prison. Il a son procès dans trois mois. Trois mois avant, il n'a pas mal au ventre. Oh, comment il a mal au ventre. Il est marié, il a des enfants, il peut tout quitter maintenant. Trois ans, dix ans. Il s'est fait attraper sur une affaire. Il dort. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Moi, j'ai connu des gens comme ça, qui ont fait des fraudes en France, avec des choses pas bien. Ils ont roulé des sécurités sociales et des choses comme ça. Okay. Ils m'ont appelé, ces gens-là, ils avaient un procès, ils pouvaient prendre 2, 3 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants. Okay. Moi, dommage, j'ai pas enregistré. Comment ils me parlaient, comment... Mais je t'en supplie, mais je t'en supplie. C'est des gens qui sont riches, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens qui sont... J'aurais été obligé de prier pour moi, je t'en supplie, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à dormir. Il dirait qu'il va mourir, il va au téléphone, en ligne, je crois qu'il va mourir. Lama, procès. Il prend face de chez l'homme, il peut prendre 1, 2, 3 ans de prison, il peut prendre. 3 mois avant, il ne peut plus dormir. 2 semaines avant, il ne pouvait pas manger le rabbi brisque à la chaleur. 2 semaines avant, il ne pouvait rien mettre dans sa bouche, mais parade. Parade du dîme qu'on vient devant Borer Olam avec un paquet de saletés qu'on a. Présenté devant lui, il va nous juger sur chaque chose, il va nous juger. Chaque chose. Qui peut se tenir devant Hachem? Qui peut se tenir devant Hachem? Qui? Mia Modefana Beyo. On a pas du dire. J'ai beaucoup hésité avant de faire, de décider qu'on fait ça demain. Je me suis conseillé même. On va faire un petit boulot avant Rosh Hashanah. Aval. Ken. Lama. Pas tout le monde vient avec ce pachat. Pas tout le monde est conscient. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Deux semaines, trois semaines. Les slichot, c'était dur. L'adaptation, c'est en plus de. On a mis la barre très haut depuis le début. Bien. Bon, on a dit qu'il faut un peu souffler. Après, la daï, qu'on se tient devant un din, on se tient devant un din réel. Que c'est sûr à 1000% qu'on est incapable de se tenir devant un chien. Incapable. Impossible qu'on sorte même le temps de ce din. D'après les règles normales de la nature. Impossible de sortir méritant avec toutes les petites tchouvas qu'on peut faire. Impossible. Si ce n'est qu'on prend conscience combien on est fautif. Si ce n'est qu'on prend conscience combien on mérite, Chas v'Shalom, d'être puni sur tout ce qu'on a fait. Alors on prend conscience, on vient, on demande Mechila, on fait tchouva comme on peut faire, on montre qu'on est conscient qu'on va être jugé. On arrive, après il y a les 10 jours de tchouva,
on pleure, un homme il pleure ce qu'il peut pleurer, et il y a qui pour le summum, il y a l'année, il a, et là on s'attache au maximum qu'on peut à Boréolam, qui pour, il faut de toutes ses forces, qui pour ici, c'est des, chacun il faut qu'il crie de toutes ses forces. Et Tzarakot, qui pour c'est la guerre. La guerre, comme on dit, c'est la guerre, c'est la guerre. Ah, ça, c'est la guerre. C'est la guerre, ça, c'est la guerre. Kippour, c'est la guerre. C'est la guerre. 24 heures, c'est la guerre. Là, on se prépare à une guerre. Première, la guerre, comme ça. La guerre, il vient un coup, il part. On se prépare à une guerre. Avec Kippour, c'est la guerre. C'est le sommet. Jusqu'à la Neria. Et là, on s'attache au maximum. On se rapproche au maximum de lui. On lui demande au maximum pardon. D'abord, il faut prendre conscience qu'il est Meler. On ne peut pas venir avec une tête de je sais pas quoi, moi, du mois d'août, devant Hachem et dire ah, t'es Meler. Il faut se préparer à recevoir Hachem en tant que Meler. Il faut se préparer à ça. On ne peut pas venir comme ça, comme des touristes. Bazat Hachem, ça c'est le Nekuda. Il ne faut pas interrompre cette Avoda, au moins à partir de maintenant. Pas interrompre cet avoda, pas interrompre son esprit un instant de Rosh Hashanah. Il faut penser qu'à ça, il faut se préparer à ça, il faut être conscient de ça, il faut faire le bilan un peu de ce qu'on a fait toute l'année. Il faut s'enfermer seul et faire le bilan. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est grave. J'ai fait tout le Torah, j'ai fait beaucoup d'avérot que ça. Faut que je me prenne en main. Je suis à la Yeshiva pour un an. Il faut que j'exploite cette année comme il faut. Il faut que j'y réussisse, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, celui qui prend conscience, il n'a rien à craindre. Celui qui a de quoi avoir peur, c'est celui qui dort. Ben Adam Malecha Nirdam. Mata Yoshed. Mata Nirdam. Kum Tikra Betachanonim. Mata Yoshed. Celui-là, il est en danger. Celui qui est en danger, c'est celui qui dort. Il dort dans sa bulle de rêve, qui croit que ce Ran Lamazé, là, il est éternel, il croit que ce Ran Lamazé, c'est bon, on va ça. Hein? Il oublie, Bernal, le Ran Lamazé, il oublie qu'après quelques années, encore combien, 70 ans, un homme, il vit. 20 ans, il a 50 ans à vivre. Après 50 ans, il monte, sans personne, sans argent, sans sa femme, sans ses enfants, sans sa voiture, sans rien du tout. Il monte, il donne din vechejbon et là-bas, il n'y a plus de tchouva. En tchouva. Il n'y a plus de tchouva. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de pardon. Tu peux crier jusqu'à demain. Là-bas, c'est en lam ha-emet. Il faut se réveiller. Il dit le Rambam, c'est chauffard. Chapoum ha-asechem. Chauffard minashen chipour. T'es arrangé vos actions. On rouille chani mitardé matrem. Il dit le Rambam. Il n'y a pas de pshat dans les mitzvot de la Torah. Aval, il y a un remes dans le chauffard. C'est quoi le chauffard? Sonnette d'alarme, réveille-toi! C'est notre travail maintenant, de se réveiller de la. Comment on dit? Il y a un mot en français. Pas un coma, léthargie, l'athargie. Comment on dit? Un yodama, il est mort. De sa mort. Il est mort comme ça. Il est vivant, mais il est mort, Miskel. Il est mort. Son spirituel, sa connexion avec Hachem, elle est morte. Tu mesures comme ça à l'appareil, tu vois. Une petite ligne droite, un petit pic comme ça de temps en temps. Il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, ça ne bouge pas, c'est mort. Il est déconnecté d'Hachem. Il est déconnecté de la réalité que ce monde-là, il est dirigé par un Meler. Il faut se réveiller, Rabotai. L'éveil, c'est la réussite. C'est tout. Avec toutes les avérotes qu'on a, et avec tout le mal qu'on a fait, juste si on prend conscience, il n'y a rien à craindre. Celui qui est en danger, c'est celui qui dort. Hachem, il a qu'un moment d'Hachem de reprendre des forces demain, d'Hachem, et d'arriver, d'ailleurs, à Madrid, à Mouchanim, à Arvodatoïd Barakam.